Quand je regarde ce paysage, ça me rappelle mon enfance. J'ai vraiment de la chance d'avoir gardé un lien avec cette terre que j'adore. Si le temps était agréable, on ne pourrait pas se permettre de vivre ici. C'est un défi, ce n'est pas un environnement facile. Mais il fait beau bien plus souvent qu'on le pense. On essaye de garder ça secret. Comme ça, il n'y a pas trop de monde qui vient. La nature est très rude, mais c'est des paysages incroyables. Les gens viennent en été. Ils adorent. Alors ils décident de s'installer ici. Et le premier hiver, c'est le test. On est en plein été. Il ne fait jamais vraiment nuit. Les jours sont très très longs. Alors qu'en plein hiver, les nuits sont très très longues. Donc on doit vivre avec ces extrêmes sur cette île. Et moi j'adore ces extrêmes. Ma famille vit ici depuis le XVIIe siècle. En anglais, je m'appelle Malcolm MacLean. En gaélique, on m'appelle Colum MacLean. Sur l'île, mon patronyme, c'est Colum Nilachan Fadhrig. C'est une tradition gaélique très importante que de se souvenir de ses ancêtres. Chaque centimètre de terre que l'on voit a été exploité. Depuis toujours, les fermiers qui travaillent ici arrivent juste à subvenir à leurs besoins. C'est une agriculture de subsistance, de survie. Ça a marché. Et ça fait que les gens ont pu rester sur leurs terres. On a toujours rêvé d'avoir un bout de terre pour pouvoir mettre les mains dans le sol, de cultiver, d'avoir des animaux et d'être éco-responsable à notre échelle. J'ai commencé assez petit. Pour le moment, j'ai 23 moutons. Être fermier ici, c'est avoir juste assez de terre pour être autosuffisant et faire partie de la communauté. Vivre ici, c'est subvenir à ses besoins fondamentaux, nourrir son corps et son âme. Ça te force à vivre le moment présent. Et je crois que c'est ce que tout le monde cherche, non ? C'est épanouissant comme vie, même quand les choses vont mal et que c'est dur, ce qui arrive souvent, surtout en hiver. Une des choses qui m'a profondément marquée en arrivant ici, c'est à quel point les variations de lumière et des saisons influencent la façon de vivre. Comment tu parles, comment tu vis.
Les six premiers mois, on a vécu dans la caravane là-bas, sans eau ni électricité. J'avais juste mis quelques panneaux solaires pour avoir de la lumière. Venus. Juniper. Come here. Right. Now we're going to come into a circle. Everybody come into the circle. We're going to hold hands. Who wants to start? Me. All right, Arthur's going to start. I grew up in Fife, which is... J'ai grandi à Fife, près d'Édimbourg. I'm a trained actor and theatre director. Je suis comédienne et j'ai travaillé dans le milieu du théâtre pendant 20 ans. Sector for about 20-odd years. Boing! And the lines go across like this. J'ai décidé de donner des cours de théâtre en gaélique et en anglais. Ici, la plupart des gens parlent le gaélique à la maison. Et c'est là que tu vois que c'est la première langue. I was learning Gaelic for a year and a half. J'ai appris le gaélique pendant un an et demi avant qu'on s'installe ici. Pour moi, c'était essentiel. C'est un défi et il faut vraiment s'impliquer. Pour moi, c'est important de pouvoir communiquer avec les gens dans leur propre langue. Taking on the language and learning as much as I can from people. Careful. Be feichgaloch. Si on a les pieds sur terre, on est conscient qu'en déménageant dans un endroit comme ici, perdu au fin fond du monde, on est à la merci du temps et du lieu. Et ça peut même être vraiment rude en hiver. Yay! You're back! Hiya! I got out then. Yeah, you did. J'adore les endroits rudes. Garaf, c'est le mot qu'on utilise en gaélique pour ce qui est rude et sauvage.
Come on. I'm doing exactly what my father and my grandfather. Je fais exactement ce que mon père et mon grand-père faisaient. Je suis content de perpétuer la tradition. Je dois être un des derniers de ma génération ici. Mon travail de fermier, c'est de m'occuper des moutons, du bétail, de cultiver, de travailler en fonction des saisons. Ce ne sont pas des grandes terres, ce sont des petites terres dispersées. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé avec des moutons. Tu travailles vraiment dur, surtout la période où les agneaux naissent. Mais c'est vraiment satisfaisant. J'ai grandi avec les bateaux, j'ai travaillé pendant 14 ans sur des bateaux. Je connais bien la mer. J'ai travaillé comme plongeur sur des plateformes pétrolières dans la mer du Nord. C'était un travail saisonnier. Et je gagnais beaucoup d'argent, mais la qualité de vie était nettement moins bonne que la vie à la ferme. Quand je travaillais sur la mer, la seule chose que je voulais, c'est de retrouver ma maison. En plus, avec tous les moutons qu'on a ici, ça demande du boulot. Et ça ne va pas si t'es loin pendant des semaines. J'adore travailler avec les moutons, mais il faut avoir d'autres revenus pour faire vivre la ferme. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'apprendre le métier de tisserand et de travailler pour la marque Harris Tweed. Je suis la troisième génération à fabriquer le Harris Tweed, et on en est très fiers. Tout doit être fait à la main. C'est pour ça que je pédale là, derrière. C'est ça qui le rend unique. You're your own boss. Je suis mon propre patron. Et il faut être discipliné. Si je ne peux pas travailler dehors, alors je viens bosser ici. Je ne gagne pas une fortune, mais la qualité de vie est très bonne. Alors non, pour rien au monde, je ne changerai. Tout ce dont je rêvais quand j'étais ado,
c'était de partir de l'île Lewis. J'ai tout fait vraiment ici. Je ne me voyais pas aller dans les Landes et courir après des moutons. Je ne voulais pas planter des pommes de terre, je ne voulais pas ramasser la tourbe. J'avais juste envie de jouer de la guitare et de traîner avec mes potes. Je sentais que la vie était ailleurs et pas ici. La vie sur l'île est super. C'est la raison pour laquelle des gens comme moi reviennent sur l'île et y restent. Et les choses que je maudissais quand j'étais jeune, maintenant, je les apprécie vraiment. Ça me va droit au cœur, parce qu'on entend peu de chansons en gaélique ici. Quand il était jeune, il faisait du rock du genre status quo, boum boum. Alors ça fait plaisir de l'entendre chanter en gaélique. J'aurais aimé que sa maman soit encore en vie pour l'entendre chanter. Elle aurait été très fière de lui. Cette chanson, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'approche trop près du soleil et se dissout et retombe en poussière sur Terre, comme les aurores boréales. Les aurores boréales sont une telle particularité du ciel nocturne ici. C'est complètement naturel pour moi de chanter en gaélique. Ce n'est pas une corvée. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer il y a 20 ans. Je n'aurais jamais fait ça. J'étais sûr que jamais je ne chanterais en gaélique. Et maintenant, waouh, j'adore vraiment ça, c'est génial. La nature m'inspire beaucoup. Surtout en hiver. C'est incroyable comme les paysages ici peuvent être à la fois lugubres et splendides. Les journées orageuses sur la plage sont uniques. Je pense que ça t'inspire beaucoup si tu es compositeur. Margaret est venue habiter à Callanish il y a 40-45 ans.
And if you're at the centre stone, she has done more work on. Elle a étudié les pierres de Callanish plus que n'importe qui d'autre. Elle a dessiné les plans de plusieurs sites et elle a même découvert de nouvelles pierres. J'ai travaillé avec elle pendant quelques années. Je l'ai aidée à faire ses plans. Do you notice again that you're by a square blocky stone? This one here? Yes. Like this. Every midsummer, à chaque solstice d'été et d'hiver, on venait et on se positionnait pour essayer de trouver des alignements. We're going to look over the top of this stone. Can you see the circle stone, Malcolm, on the right of the gap? I'm following the line of the stones and I can see into the circle, yes. Can you see the male figure on that circle stone? To the right of the gap? Oh, yes. Yes, I see what you mean. Yes, to the right of the gap. So if this is for a sunrise, that could be the sun god. Nous en savons très peu. Ça reste un grand mystère. Let's go to this stone with a knob on the side. It looks like a mitten. Okay, this one right here. Yes. Ces pierres ne sont pas posées là par hasard. Les gens qui ont érigé les pierres de Callanish il y a 5000 ans n'étaient pas seulement des bons architectes et ingénieurs, mais ils ont étudié aussi les mouvements des planètes, de la Lune et du Soleil. Ils avaient un calendrier, une sorte de calculatrice, une horloge qui leur permettait de délimiter précisément les saisons. Ceux qui maîtrisaient ces alignements détenaient le pouvoir dans cette société. C'est seulement en regardant à travers l'objectif de la caméra qu'on a réalisé que les pierres étaient alignées au lever du soleil. C'est limité quand tu vis ici. Il faut voyager. C'est en quelque sorte l'histoire de ma vie. Si je pouvais m'en sortir ici et ne jamais quitter Lewis, franchement, je serais heureux. Mais tu dois voyager pour gagner ta vie. Je pense que je perds plusieurs milliers de pounds par année en restant coincé là. C'est stimulant, mais c'est rude aussi. Je dois reprendre le ferry jeudi prochain pour aller chanter dans des pubs. Il y a des façons pires de gagner sa vie, ça va. Always I ain't never seen nothing like a god.